Nous saluons chacun de vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons nos bien-aimés qui sont connectés à l'instant. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers la radio. Que Dieu bénisse chacun de vous. Avant de lire les remerciements et requêtes, nous demandons au conducteur des véhicules ci-dessous d'aller les déplacer. S'il vous plaît, quand vous venez à l'église, tafadhali wakati mnakuja kanisani deux parking. Tuna eneo mbili ya parking à côté de chez moi là-bas. Faites entrer vos véhicules dans le parking. Ingizeni yo kwenye comme il y a un parking derrière ici. Kuna eneo nyuma ya kanisa. Ne faites jamais le double stationnement, ce n'est pas bien. Msipagi vibaya. Vous bloquez le passage des véhicules qui doivent passer sur la route. Magari mengine ipite. Soit vous parquez d'un côté et évitez le double stationnement. C'est-à-dire vous parquez de part et d'autre. Un véhicule à gauche, un véhicule à droite sur la même chaussée. Ça s'appelle le mauvais stationnement. Donc, garer d'un côté, ça se comprend. Et pas ce que vous faites. Parce que vous rétrécissez la chaussée. Il y en a qui ont du mal à passer. Celui qui est venu avec le camion Fuso 3224 AB04, parce que le matin, le camion n'était pas là. Donc il y a quelqu'un qui est venu avec ça et qui l'a parqué là-bas. Qui l'a dégagé ce camion. Camion Fuso 3224 AB04, que le conducteur aille le déplacer. Bien que la benne soit ici derrière, il y a beaucoup de place. Il y a le minibus Regus immatriculé 5998 AM05. Il y a urgence pour ce véhicule, il a mal garé, il a bloqué la route. Que le conducteur de ce véhicule aille le déplacer d'urgence. Prenez soin de respecter cela, s'il vous plaît. Même dans le code de la route, quand on garde mal le véhicule, la PCR peut vous arrêter pour un mauvais stationnement. Évitez le double stationnement. S'il y a des véhicules qui sont garés à gauche, ne mettez pas le vôtre à droite, non. Parquez soit de même côté. Bien, venez ici derrière, il y a beaucoup de place. Donc, allez déplacer vos véhicules, s'il vous plaît. Il y a des frères et sœurs, parfois, qui envoient des messages aux frères et kaka. Le frère demande à ce que vous puissiez l'appeler en direct, c'est mieux. Ne lui envoyez pas de messages. Parfois il ne lit pas. Voilà, j'ai envoyé le message, je n'ai pas eu de réponse. Frère Kaka préfère que vous puissiez l'appeler directement. Comme ça, il va parler avec vous. N'envoyez pas de message. Même en ce qui concerne les requêtes ou le remerciement, il y a deux numéros qui passent chaque fois sur la script. C'est là où il faut envoyer toutes les requêtes. Nous étions au bureau avec le frère Kaka avant que je ne descende. Un frère écrit un message. Heureusement que j'ai lu cela. Donc, si je n'ai pas lu, j'allais regretter, j'ai envoyé mon message, on n'a pas lu tout ça. Il y a des cas de maladie, envoyez ça à temps. Vous allez vous plaindre, on n'a pas lu votre requête. Est-ce que vous envoyez un SMS et à quelques minutes de commencement du culte? Nous vous prions de corriger un peu cela. Envoyez vos messages chez les diacres. Toutes les requêtes sont écrites dans un cahier. Le cahier est ici. On met les requêtes ici. Donc moi, quand je viens ici, je lis les requêtes qui sont dans le cahier. Alors, quand vous m'envoyez des requêtes par message, je peux ne pas les lire, ce n'est pas bien. Donc, prenez soin d'envoyer les messages chez les diacres. Hein? Il y a deux numéros qui passent sur la bande passante. Hein? Prenez note et envoyez vos messages à ce numéro-là. Nous allons lire les remerciements et requêtes. Le frère Eli Kabamba, il remercie le Seigneur pour l'avoir guéri. Le frère Sylvain Mujinga de Kasungej, il remercie le Seigneur pour sa protection lors du voyage qu'il a effectué.
Kasungeji, Kolwezi et Lubumbashi. Le frère Eva Chibaka de l'Afrique du Sud, il est accompagné de sa femme. Si le frère est là qui s'élève, vous pouvez enlever un peu votre masque. Voilà, notre bien-aimé frère Eva, il est de l'Assemblée de Johannesburg. Il est venu ici accompagné de sa femme. Est-ce que la soeur est quelque part? Vous pouvez vous lever, ma soeur. Ok, Église, vous pouvez saluer nos bien-aimés en agitant la main. Ok, soyez les bienvenus parmi nous. Frère Baby Chibaka, il vient également de Johannesburg. C'est la soeur Baby, elle peut se lever. Ou bien sont les deux, c'est le couple. Ah oui, oui, ok. Frère Maneno Josué, pasteur associé de l'église de Kalemie, pouvez vous lever. Le frère vient de Kalemie. Il est parmi nous. L'église, nous pouvons le saluer en agitant la main. Okay. Soyez les bienvenus parmi nous. Il vient pour le mariage de son fils qui va se marier cet après-midi. Les techniciens, vous pouvez allumer un peu la télévision là-bas, s'il vous plaît. Frère Ngoyi Mulunda, il vient de Kabondo Dianda et remercie le Seigneur pour la protection. Frère Jean-Claude Ngoy, il vient de Malemba Nkulu et remercie le Seigneur pour la protection. Naissance dans les foyers. Frère Abel Nyembo et la sœur Furaisha, il remercie le Seigneur pour la naissance d'un fils dans leur foyer. Frère Ogi Kiseba et la sœur Nyonga, il remercie également le Seigneur pour la naissance d'un garçon dans leur foyer. Frère Ogi Chibanda et la sœur Amsini, Dieu leur a donné aussi une fille. Consolation lors des deuils. Les sœurs Marie Kankolongo, Rebecca Ngoy, Rachel Mitonga, Keren Wasonge, Mary Kankolongo et la famille Katamba, remercie les frères et sœurs pour leur assistance et consolation lors du deuil de leur mari, père, beau-fils et oncle. Le frère Toto Kabila, notre diacre, ainsi que la sœur Florence, il remercie le Seigneur, il remercie également les frères et sœurs pour leur consolation, soit matérielle que spirituelle, lors du décès de leur père et beau-père. Remerciements divers. Frère Zeba Kamanga, il remercie le Seigneur pour les hauts faits lui accordés durant l'année 2022. Sœur Sarah Kaj, elle remercie le Seigneur parce qu'elle a réussi en deuxième session. Sœur Chabu, remercie le Seigneur pour avoir protégé son mari lors de son voyage à Manono. Frère Chitanda Barthélémy, remercie Dieu pour l'avoir épargné ainsi que toute sa famille lors d'un incendie. Père Jean Charata remercie le Seigneur pour avoir donné du travail à son fils. Frère Binene Patrice, il vient de totaliser 67 ans d'âge et remercie le Seigneur pour cela. Frère Delphin Mweseka, il remercie le Seigneur pour sa réussite aux études. Frère Freddy Mubenga, il a été protégé lors des attaques de bandits armés et il remercie le Seigneur pour cela. Requête. La famille du frère Ngoï Sabin demande la prière des saints pour leur mère qui est malade en Mbujimayi. Frère Mbuya Disasi compte se rendre à Kasenga et demande la prière. Frère Emmanuel Bonakele sollicite la prière des saints pour son père, pour le voyage de son père vers Kinshasa. Frère Peniel Kasongo a besoin de la prière pour la réussite en deuxième session. Frère Paul Sangi compte rentrer en Afrique du Sud ainsi que toute sa famille et demande la prière
prière pour la protection. Frère Yves Kabole, il a besoin d'un financement et demande la prière. Frère Albert Louti, il compte rendre en France et demande la prière des saints pour la protection. Frère Chani Chibangu, il va voyager vers la Mitwaba, il a aussi besoin de la prière des saints pour la protection. Et la requête qui m'est venue avant d'arriver ici. Le frère Enoko Kazumba, il demande la prière pour que Dieu assiste sa femme qui est à la maternité depuis vendredi. Vous invitons à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 150. Psaume 150. Disons tout le chapitre. Ça n'a que 6 versets. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Prions tous ensemble.
peu de chance, parce qu'on peut vérifier un peu ce que c'est. Notre Père et notre Dieu. Baba yetu na Mungu wetu. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Tukushukuru kabisa. Reconnaissant pour ce souffle de vie que tu gardes encore en nous. Reconnaissant pour avoir conduit nos pas jusqu'à ce lieu. C'est afin de t'adorer. Oui, notre Père. Pendant que nous sommes rassemblés ici, venons d'écouter les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Tu as guéri ceux qui étaient malades. Tu as protégé ceux qui étaient dans le voyage. Tu as protégé quelques-uns lors des accidents de circulation. Et tu as permis qu'il y ait naissance dans différents foyers. Tu as consolé ceux qui étaient éprouvés. Et tu as répondu à beaucoup de nos problèmes. Tu as donné solution à tout cela. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Sachant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, voilà que nous venons tous d'élever nos voix vers toi. Et nous avons aussi lu les requêtes de nos bien-aimés. Il y en a qui vont voyager. Ils ont besoin de ta protection. Il y en a qui ont besoin d'argent. Ils viennent vers toi, Père, pour que tu leur donnes des moyens. Il y a eu différentes demandes, Seigneur. Mais avant même qu'on les présente devant toi, toi, tu savais de quoi on avait besoin. C'est pour ça, notre Père, puisses-tu donner solution à tous nos problèmes. Nous croyons de tout cœur que tu le feras. Parce que nous l'avons demandé en ton nom. Bénis notre frère, notre berger qui va nous parler de ta part. Savons que c'est un homme. Il a besoin de ton assistance. Puisses-tu bénir tous les anciens de cette église. Bénis nos frères diacres, administrateurs, trésoriers. Nous pensons aux ministres de l'Évangile. Tous ceux qui sont dans le voyage missionnaire. Notre bien-aimé frère Kumbu. Les bien-aimés frères Kizabi et tous ceux qui prêchent quelque part d'une manière ou d'une autre, te demandons, Père, de pouvoir les assister. Bénis notre Coran, vous avec nos techniciens, nos frères interprètes, nos soeurs qui touchent dans cette église, tout celui qui travaille ici d'une manière ou d'une autre, et tout celui qui est venu ici malgré la pluie pour écouter ta parole. Oui, Père, puisses-tu le bénir aussi. Bénis l'Église universelle. Nous venons devant toi avec notre bien-aimé frère Franck. Nous savons qu'il est avancé en âge. Nous demandons, Père, que tu puisses le fortifier. Nous croyons que tu le feras. Bénis Israël, ta nation. Et nous venons aussi devant toi avec notre pays, le Congo. Ainsi que toutes nos autorités. Nous nous remettons à toi. Et sois avec nous. Du début jusqu'à la fin de ces services, car nous te l'avons demandé ainsi. C'est ton nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelques salutations. Frère Mayeba, il est berger de Lukafu. Il salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le frère Mwamba Célestin, à partir d'Australie, il nous a aussi salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous invitons le moniteur de l'école de dimanche pour venir donner son rapport.